Et bonjour à tous, c'est Méphile. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Final Fantasy VI et on a réussi à acheter, même pas débloquer, on a acheté clairement Zona Seeker et Golem. Alors on ne s'est pas monté hein, parce que du coup c'est des choses qu'on a déjà apprises. Donc en termes de carapace, enfin en termes de carapace, en termes de magie, excusez-moi, il y a des compétences qui étaient en fait transversales entre différentes chimères. Et donc du coup, l'avantage c'est que le Zona Seeker va augmenter la magie de plus 2, ça c'est cool. Le golem, la vigueur de plus 2, on va pouvoir encaisser un peu mieux. Mais on va balancer du Bismarck en tout cas. Sur les messieurs, de ce que j'ai vu, ce qui est apparemment arrivé niveau à Sandforce, ça commence à tabasser. Là, on a 72, ici on imagine on a 45 et lui à 50. Donc, on verra ça. Allez, on va continuer. Ici, notre ascension. C'est vers là où on doit aller, en vrai. C'est là où je me situe dans l'espace. Ah, c'est une bucelle. Hop, les... Non, c'est deux fois. Ok. On va sauvegarder. Hop, les... Sur le fichier 1. Hop, et on avance. On est au poste d'observation. C'est étrange, il n'y a personne. Ne nous attardons pas. Au moins c'est fait. Le portail n'est pas gardé. C'est fermé à clé. Ok. Je pense qu'il faut qu'on passe là-dessus. D'accord. Wow. Il y a pas un truc. Ah oui, escalier, pardon. Attends pour. Ah, ça fait très bâtiment de l'Empire. Hein. Ouh. Assassin. Et c'est pourquoi ça? Trier. Assassin, ça doit être par là. Si vous la voyez crier. Assassine là. Et il finit parfois sa cible en un seul coup. Alors, on perd en attaque, on gagne en magie, on gagne en vitesse. Et on perd. On perd 5 d'attaque. Parce que c'est vraiment très très grave. Right. On a l'initiative, c'est une bonne chose. On commence avec les arbalètes. Ouh, on fait du 800. Ça j'aime bien. 280, bah, en XP limite mieux que là où j'XP avant. Attends, je vais regarder juste qui va monter. Alors, quand même que on en est là. On va penser à changer au prochain fight. Putain, pour moi. Kazekiri. Pareil. Katana qui renferme le pouvoir du vent. On va équiper normalement. Katana, c'est toi. Ok. Hop. Enfin, des armes qui montent. Ce que j'aime, c'est, d'XP, c'est d'équiper mes personnages. Attaque en tenaille. Allez, on est bouillable. Ils ont reviendu? Ah ouais. D'accord, parfait. Ouais, on va changer le carbuncle. Hop. On va mettre Bismarck. On en est où nous? 52. Oula. Je suis où? D'accord. J'ai pas tout compris. Du.
Boom. Nickel. 600 d'XP. Oh, nouvelle technique de Bushido. C'est cool. 600 d'XP, c'était bien. C'était plutôt propre. Carbuncle. Wow. Paye ta potion X. Ok. Haha. Ah si, c'est là. Attends. Right. Dididididi, faut bien se concentrer là. Même les 800, ça les tue pas. C'est bien, c'est que c'est des ennemis plus puissants là, c'est cool. C'est pas mal comme endroit pour Pex ici. Oula. C'était quoi ça? Bien l'assassine. Oh le cochon. Il est revenu. Tue-les. Il deux ça. Ah, il était tout seul. Terra a appris à quitter. Nous, on va se heal un petit peu. Edgar, tu vas t'auto-suffire. Voilà. Tu vas suffire aussi à tous. Bon, pour l'instant, tout va bien. Allez, là, c'est celui du milieu. Oui, c'est ça. What? Ok. Ah, du coup, là, tac, il faut que je m'arrête tout en bas, ok? Et après, je sais pas du tout où aller. Middle. C'est cramé le hut en bas. Là j'ai pas vu. C'est chaud? Il n'y en a aucune là? Ah si d'accord, c'est la dernière. Allez, Barout. Incroyable. Ouais, on est bien. Tac. Bah, attention, qu'il y a pas mal des bons trucs ici, là. J'ai vu qu'il y a des camps de Genji à récupérer, donc on va aller suivre ça. Je le tue et il revient, c'est un délire. En fait, ils ont deux vies, ces trucs-là, ou... à coup sûr à chaque fois. Eh, ça me saoule. Et quand je les tue à coup sûr, ils reviennent. Ouais. J'ai pas regardé l'XP. Ça va, pour l'instant, on est bien. Vraiment, il y a vraiment un système pour faire attention. Enfin, plutôt sympa, mais ça, peut-être à l'angle, ça va être relou. Ouais, c'est relou, en fait, ce que tu fais. Je vais lâcher ce truc là, je vais changer le... Je vais changer l'attaque. Il est resign. Pas cool. Et du coup ils reviennent full life ou...
C'est quoi le concept? De perdre énormément de PM là et tout le temps. 600. Toi, tu vas passer avec Bismarck, loulou. Hop, compétences. On va épuiser Edgar pour l'instant. Ouais, pardon. J'avais pas vu que t'avais bien souffert. Équiper Locke. Locke, tu vas changer l'assassine avec ton œil d'aigle. Assassine, c'est sympa, mais pas tant que ça. Un éther plus. Et on a volé une queue de phénix, mais c'est génial ça. Ok, le Kiba. Ils en ont de la vie ces trucs-là. Là. Je vois qu'on fait du... Que ? Ah, vol raté. Vol raté. Edgar. Il a monté. Donc du coup, on peut changer à nouveau et repartir sur Ifritz. Ah, c'est qui les prochains? Waouh. Si. Bientôt la récup, toi. Martim. Et toi, Biffler. Ouais, je mets trois mecs qui ont de la grosse patate. J'aime beaucoup cet endroit. Enfin, ça XP. Oh god boy. Allez, on a une initiative. Ça meurt pas. Incroyable. Non mais c'est pas possible. Dire que j'ai XP avant. Si on a pris booster. Ça monte de niveau, ça va redescendre. Alors attendez. Apparemment il y a un interrupteur, voilà. Super, ça a éclaté la tête. Tac, partez sur la gauche et on va trouver des Gangenji. Les Gangenji ça va faire du bien. Du bien mais pour qui? Je vais arrêter Kiba et je vais peut-être attaquer avec... Voilà 1007. C'est ça qu'on veut. Ouh là, ça va faire mal ça. Ah non, 600. Donc une partie de la vie. Ok. Alors le niveau de Terra augmente et le niveau de Locke augmente aussi. Terra, elle s'est fait éclater. Hop. Locke, tu vas subvenir aux besoins de tout le monde. Martim, ça c'est bon. Du coup, on va remettre. On était sur Kirin. Et toi, Bismarck, on va repartir sur. T'étais sur qui, toi, Martim, je crois. Ouais. 1000. Toi, on va repartir, Sian. Salut. Obtenu Gangenji. Excellent. Excellent. Pardon. Équipé. Sien. Franchement, la clochette, on s'en tamponne. C'est que pour toi. Gangenji. Ils sont là. Ah ouais, une arme dans chaque main. Ça c'est bon. Je crois que c'est pas en rapport avec l'attaque, mon truc de l'arbalète. Ça c'est relou ça. Je sais pas trop en quoi si avec quoi je peux augmenter mon arbalète. Au départ. Peut-être qu'Edgar au départ est très fort. Et le devient moins sur la fin. C'est marrant, mon Sion a perdu de la vie avec la clochette là. Hop. Oh là là, le siphon vital. Pas grave, si l'on a raté le vol, on l'a éclaté quand même. Voilà, parce que la moitié d'un cas, quoi. Compétent. Sion.
Tu vas soigner, c'est qui a pris le tarif Edgar encore? Allez, on continue. Alors là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Apparemment, c'est celui de gauche. Oh, on va faire les deux de toute façon. On va faire les deux. Peut-être ton Apex. Ok. Oh merde. Si on il a peck sur Carbuncle et Carbuncle, ça n'a rien du tout. Oh là là. J'ai pas fait attention. Arrêtez pas regarder en plus. N'importe quoi. Une tente. Génial, une tente de nuit. Bon, on va aller se taper contre Jean-François à côté. Voilà. Dissimulation. Alors, voilà. Magie. On peut se calmer un petit peu avant de le balancer. Voilà. On va le tronçonner lui. Ça qu'on veut. Non, et moi qui suis au point de récupérer le trésor enfui dans le sol au pied du grand escalier. D'accord. On va aller Yoku. Hop, objet. Une tente. Et voilà. Ok, allez, on va sauvegarder. Prochain XP, c'est Edgar. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ensuite? Appareil de démarche. Ok. Attaque surprise! Surprise! Oh, encore. Magie. Brasier, franchement, je leur mettrais bien un petit brasier dans les fesses. Hop, machine. Mais pas de brasier dans les fesses des gens, ça marche pas bien. C'est plutôt un glacier dans les fesses des gens. Ouais, le siphon vital, ça reprend une grosse partie. Ah ouais, c'est du gros glaçon. Voilà. On a pris tarif. Objet. Non. Compétence. Et ils ont plus de PM que Terra, quoi. Incroyable. Un éther plus. Voilà. 500 d'XP. On va regarder normalement. Ok, encore 3 fights. C'est quoi là? Ok, élixir. C'est un piège ce truc. On a l'initiative. Allez, initiatise-les là. 600, c'est marrant qu'on fasse plus de dommages. C'est l'attaque devant ça. Très longue l'animation pour pas grand chose. Terra a repris récup. Terra, on va pouvoir te changer.
Bah, tu vas être la première sur Golem. Elle a tout terrain. Ah ouais. Après, tu resteras sur Martim. Il y a un levier. Bah, ah oui. Ah, White encore. À 1300, tu crèves pas, toi? Eh ben, ça fait mal. Ok, c'est quoi sur la suite, là? Ouais, ouais. Ensuite, on me dit... Voilà, on va actionner cet interrupteur-là. Ok, pum pum. Petit fight. Non, pas de petit fight. Un bout de Magilite, Ether Plus, un Fright. Ok, on a l'initiative, c'est une bonne chose. Oui. Une grosse tatane là. Ok. On va changer tout de suite. Tu vas partir sur Bismarck. Non, je crois que des fois on gagne 500, je suis pas sûr. Si, si, il y a des fois on gagne 500, attends pour moi. Tu vas partir sur Martim. Toi, pendant ce temps-là, tu vas choper Fritz. Épée Ultima. J'ai lu qu'apparemment, il fallait la donner... Épée dont la puissance varie en fonction de vos HP. Pourquoi on me dit qu'il faut la mettre sur Terra? Un bout de magie, ça sert à quoi les bouts de magie? Peut-être dans des objets clés. On a trié, c'est bon. Folie, machine, poison, dégâts importants à un ennemi. Bah ça alors. D'accord qu'il n'y a pas marqué boule magilite ici. Ralentit le zénith. Jackpot en dilapidé. C'est là. Invoque une chimère, choisie au hasard. Même parmi celles que vous n'avez pas acquises. D'accord. On va faire attaquer Terra, tiens. On va la mettre sur le devant de la scène. Ok, Terra et Edgar, ça a augmenté. Du coup, Edgar, tu vas pouvoir repartir. T'étais sur qui, toi? Repartir sur Ifrit. Toi, tu vas repartir sur Martim. Et toi, tu vas repartir sur Golem. Et lui, il repart pas sur Martim du tout. Il part sur Bismarck. Terra. Tu vas être devant. Et Terra. Alors attends. Si j'enlève ça. Je te mets un brassard de force. Voilà. Un ruban avec des sandales d'Hermès. Je vais mettre le camp Genji. On va mettre l'épée Ultima. Et on va te mettre Carnage. Carnage. Pète des culs là-dessus.
Il y avait deux qui avaient bottes de course. Ah bravo. Ok, il y en a un qui va Pex là. Non, ça c'était le levier. Voilà. Mince. Ok. Ok. Allez, allez. Ok, bon, là, tu ne peux plus attaquer nous de ce côté-là. Le niveau de lock augmente. Oh, mais j'avais pas vu, on est déjà à 25 minutes. On va se quitter là-dessus. Avec un nouveau niveau, on va remettre Martim sur lui. Et on se retrouvera pour terminer du coup cette petite épreuve. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!